Oh, bonjour pour une vidéo. Donc, il y a des choses qu'il faut absolument que je vous dise par rapport à la sécurité. Donc là, je suis descendu tout au fond de ma mine. Ça, ce qu'on aperçoit là, lorsqu'on a atteint un certain niveau, donc le niveau 0, ça, là, ces trucs-là, c'est incassable, hein, même avec n'importe quelle pioche, même celle de diamant. Donc on arrive en bas, les priorités, donc vous posez un atelier, un four. Mettez des coffres hein, pour ranger soigneusement les choses. Enfin, les choses très rares. Pas très rares. Donc on va faire une boussole. On va faire une boussole pourquoi? Parce que en fait, comme j'ai bien avancé dans le jeu, et que je mine pour avoir du diamant, des trucs rares, il se peut que quand je remonte à la surface, j'ai plus mon lit. Ou même quand je meurs, eh ben si je meurs, je vais atterrir au point où j'ai commencé à faire ce monde. Donc il faut absolument créer une boussole qui va nous indiquer notre point de respawn, c'est-à-dire notre point où on est apparu. Et faire un tunnel, donc de là jusqu'à là où on est venu habiter, où on a trouvé notre coin. Parce que le problème, c'est que si jamais on meurt et qu'on arrive au point de respawn, et que malheureusement, bah, on ne sait plus du tout où c'est, même en ayant placé des petits repères, des fois, on est complètement paumé. Donc avec la boussole, c'est extrêmement pratique. Donc on va créer une boussole. Avec Redstone et comme ça, voilà. Et là, ça va nous indiquer l'endroit où on est apparu. Ok? Donc là, on va partir pour une sorte de long voyage en termes de longueur. Parce que cette fois, là, j'ai creusé des tunnels. Enfin, j'ai creusé. J'ai bien creusé pour avoir du fer, parce que c'est assez rare de trouver du fer, et de l'or aussi. Encore plus du diamant. Et le diamant d'ailleurs se trouve entre cette couche-là, donc le niveau 0, et 16 couches au-dessus. Donc entre là et aux 16 couches, c'est là où vous trouverez du diamant, sinon il n'y en aura pas. Voilà. Donc bah là on a notre boussole. Ça m'indique mon point de respawn qui se trouve là-bas. Donc bah, je vais aller là-bas. Alors par contre, avant de partir, bah, je vérifie que j'ai un peu. Je vais m'équiper. Donc je vais prendre le bois, toujours descendre avec du bois, bien sûr. Je vais prendre du bois, ça c'est pas essentiel. Ça je peux le laisser, c'est pas essentiel. Les petites baguettes. Voilà. Toujours du bois, hein, même du. Vraiment anticiper sur ces choses-là. On va créer. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc je vais créer bah, des pioches. Hein. Vraiment, faut que je m'équipe. Merde. Donc je vais créer des pioches. Pas mal de pioches. Voilà. Il faut prendre aussi de la bouffe, beaucoup de bouffe, hein. Parce que c'est un long voyage, c'est vraiment un truc essentiel. Étant donné que j'ai vraiment beaucoup avancé sur mon projet en haut, là, et ça commence à devenir super sympa. J'aimerais pas qu'en mourant, je perds tout, quoi, parce que vraiment, j'aurais vraiment les boules. Donc le point de respawn se trouve là-bas, on va commencer. Bah, je vais commencer à piocher, c'est parti. Alors, point de respawn. Voilà. Donc, surtout, bah voilà. Alors, faire très attention, ne pas creuser comme ça. Et ne pas s'avancer au hasard, parce qu'on peut tomber. Bah non, voilà, c'est le niveau 0. Mais quand vous êtes en haut, vous pouvez tomber sur des caves et mourir. Donc, quand même, je prends mes précautions. Voilà, je fais comme ça. Et donc là, je vais aller jusqu'à mon point de spawn. Et à mon point de spawn, ce que je ferai, bah, je mettrai un établi, un petit peu de bouffe, de façon à pouvoir revenir ici, par le tunnel du point de spawn jusqu'à chez moi. Voilà, ça c'est vraiment essentiel parce que bah, ça m'est arrivé vraiment, j'avais des boules quoi. Donc voilà.